Tu n'as plus que 5 secondes pour t'abonner à ma chaîne YouTube et activer la cloche de notification si toi aussi t'as envie d'avoir tous ces webbugs gratuitement. Comme tu peux le voir, j'offre des cadeaux à tous mes abonnés. Si toi aussi t'as envie d'avoir un cadeau gratuitement sur ton compte Fortnite, pour cela t'as juste à t'abonner à ma chaîne YouTube et activer la cloche de notification. Une fois que t'as fait ça, tu mets mon code créateur Fintech dans la boutique Fortnite. Et bien sûr, tu spams un maximum ton idée, ton pseudo Epic Games ou ton pseudo PSN dans l'espace commentaire pour plus avoir de chances d'être tiré au sort. Bonne vidéo. Ok, bien salut tout le monde, c'est Fintech, j'espère que vous allez bien. Bien écoutez, pour ma part, je suis vraiment super bien. Comme vous avez vu le titre miniature de la vidéo, aujourd'hui, on se retrouve sur Fortnite Battle Royale, simplement pour un tout nouveau glitch. Mais avant de commencer la vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et d'activer la cloche de notification. C'est vraiment très important d'activer la cloche de notification pour bien être au courant des toutes prochaines nouveaux glitches sur ma chaîne YouTube. Et comme d'habitude, n'hésitez surtout pas à rentrer le code créateur Fintech dans la boutique Fortnite. Voilà, c'est vraiment très très important de rentrer dans la boutique Fortnite. Comme vous avez vu au titre miniature de la vidéo, aujourd'hui on va simplement obtenir le tout nouveau skin jalonneuse gratuitement. Bon, cela n'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, d'activer la cloche de notification. Comme d'habitude les potes, avant de commencer la vidéo, n'hésitez surtout pas à rentrer mon code créateur Fintech dans la boutique Fortnite. En fait, supporter un créateur, et là vous avez juste à rentrer mon code créateur à moi dans la boutique Fortnite. Première étape du glitch, ce que vous allez faire, vous allez vous rendre dans vos paramètres, vous allez faire ressortir des quêtes d'opinion, et là vous allez simplement vous mettre sur lui comme moi dans la vidéo. Là vous allez changer votre région de matchmaking et votre langue comme moi dans la vidéo. Après là vous allez faire l'onglet nouveauté dans la boutique Fortnite. Là vous allez revenir dans vos paramètres et là vous allez mettre votre langue en anglais comme moi dans la vidéo. C'est vraiment très important. Là vous allez avoir simplement un nouveau message d'erreur en anglais. Après avoir fait ça, ce que vous allez faire, vous allez simplement revenir dans la boutique de Fortnite, dans la item shop comme moi dans la vidéo. Une fois revenu dans la boutique de Fortnite, ce que vous allez faire, vous allez simplement cliquer sur le skin Raccoon Expert. Une fois cliqué sur le skin Raccoon Expert, ce que vous allez faire, vous allez simplement cliquer sur les deux variantes du skin comme dans la vidéo. Là, vous allez faire support à créateur et vous allez rentrer mon code créateur à moi dans la boutique Fortnite. Une fois fait ça, ce que vous allez faire, vous allez vous rendre dans vos paramètres. Une fois rendu dans vos paramètres, ce que vous allez faire, vous allez mettre exactement la même chose que moi dans région de matchmaking et dans langue. Une fois là, vous allez confirmer votre nouvelle langue. Une fois confirmé votre nouvelle langue, vous allez partir sur quête d'opinion et là vous allez vous mettre sur oui, vous allez confirmer tout ça. Là vous allez faire choisir le mode de jeu et là vous allez cliquer sur le mode de Battle Royale comme dans la vidéo, c'est vraiment très important. Et normalement quand on va venir dans la boutique de Fortnite, on va simplement obtenir le tout nouveau skin Raccoon Expert gratuitement. Comme vous avez vu, on vient tout simplement d'obtenir le tout nouveau skin jalonneuse gratuitement. C'est pour ça, c'est vraiment un glitch de malade. C'est pour ça, vraiment, abonnez-vous en maximum à ma chaîne YouTube de rentrer le code créateur Fintech dans la boutique Fortnite. C'était Fintech. Allez, ciao tout le monde.